Les dinosaures errent librement à nos côtés. Mais pour survivre, ils devront s'adapter. Plongés dans un monde étrange et en constante évolution, qui fait aujourd'hui face à des changements sans précédent. Pour coexister, nous devons admettre que leurs besoins sont identiques aux nôtres. Mais la question soulève toujours de vifs débats. L'opinion reste divisée. L'humanité agit de bonne foi pour tenter de protéger ces animaux préhistoriques. Mais des accords plus sombres se concluent en coulisses. Les dinosaures y sont traités comme de la marchandise. Rétablir l'équilibre peut coûter cher. Et il faut parfois savoir se fier aux autres, que ça nous plaise ou non. Regardez ça. Vous voyez ce que je vois? Non, je ne parle pas du terrain qui n'est pas excessivement cher pour ce qu'il est d'ailleurs. Non, ce que je vois ici, c'est une aubaine. Et comme vous devez vous en douter, une aubaine ne peut porter ses fruits qu'entre les mains de ceux qui savent vraiment ce qu'ils font, pas vrai? Ah oui, vraiment. Et vous savez ce que vous faites? Je dois admettre qu'on cherche encore nos marques, mais... Vous allez devoir nous faire confiance sur ce point. Ouais, la confiance, c'est quelque chose qui se mérite par ici. Ça ne se donne pas comme ça. On ne vous a pas recruté pour vos talents de pilote, Madame Watts. Est-ce que je peux compter sur vous? Comme toujours. Bienvenue, les potes, à Malte. Alors, voilà notre nouveau chantier. Paris Mben, ravi de vous voir à Malte, et en un seul morceau. Ça ne paie pas vraiment de mine, je sais, mais les infrastructures sont bonnes. Je peux vous assurer que le potentiel est là. J'adore les défis. Alors dites-moi, par quoi est-ce qu'on commence? Mon équipe va s'occuper de réparer toutes ces installations. Ça nous fera déjà une bonne base de travail. Le terminal d'arrivée est opérationnel. Je suis sûr que vous saurez vous occuper du reste. Alors vous ne comptez pas m'aider? C'est précisément ce que je viens de faire. J'ai déjà bossé avec des types comme vous. Vous n'êtes pas du genre à vous salir les mains, n'est-ce pas? En effet, je préfère m'abstenir. Avec les dinosaures, et plus je suis loin, mieux c'est. Ok. Donc, oula, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. Bon, déjà, réparé. Ravi de vous rencontrer, Monsieur Semben. Hey, je suis le docteur Doua. Nous avons quelques amis communs. Oui, des amis très spéciaux. On devrait bien s'entendre. Bon, si je comprends bien, il reste encore des dinosaures en liberté dans le coin. Oui, un peu partout sur l'île. Alors concentrons-nous sur eux. Ah non, on va devoir faire ça. Ah. Oui. Attends. Ok, c'est bon. c'était drôle. Alors, il faut qu'on les envoie dans un enclos sécurisé. Alors, attends. Alors, par contre, je connais pas trop la map en soi. Ok. Ils vont y aller juste au point. Voilà. C'est bon, on a les 7 là. Ah, c'est bon, ça s'ouvre. Allez.
Logiquement, là, on est bon. Ok, let's go. Nous pourrions construire un centre d'acquisition. Il nous permettrait de déplacer les dinosaures d'un point à l'autre. Une solution logistique? Oh, ça me semble être une excellente idée. À condition que je n'ai rien à faire. Il nous faut juste votre accord. Parfait! Ce sera toujours ça de prix. Plus d'efficacité, moins de paperasse. Et boum! Je suis partant. Enfin, sur le papier. Attends, alors, par contre, t'es bien mignon, mais ça dégage. Merci. Et juste des petits trucs là, dégueulasses, non merci. Hop, voilà. Il y a apparemment des nouveaux objets aussi, d'après ce que j'ai vu. Ça là, ça c'est un peu moche, faut pas se mentir. Bonjour, je suis Kayla Watts. J'imagine que vous venez juste d'arriver, monsieur... Semben, Barry Semben. J'imagine que vous connaissez le terrain. Je suis pilote. J'ai tout intérêt à le connaître, ainsi que ceux qui y travaillent. Bref, s'il vous faut des dinosaures ou autre chose, j'ai une bonne adresse. Vous parlez de la bourse. Écoutez, ce qui s'y fait ne me regarde pas. Je transporte la marchandise, je récupère ma paye, et puis ça s'arrête là. C'est toujours comme ça que je procède. Je comprends. Vos relations pourraient nous être utiles. Merci. Pas de problème. Ne me remerciez pas. Ça va être long, cette mission. Je vais s'en venir gros comme une maison. Oui, part. On ne peut pas faire face à l'impossible sans composer avec l'ambiguïté. Laissez-moi vous dire, l'argent et l'éthique ne font pas bon ménage. Et quand les dinosaures viennent s'ajouter à l'équation, on a vite fait de dépasser les bornes. Si tant est qu'il y en ait. Oh, ça me semble évident, mais j'ai tendance à ne voir que ce qui m'arrange. Enfin, toujours est-il que nous avons besoin de dinosaures. Nous pouvons nous arranger pour nous en procurer auprès de la bourse. Ah. C'est bon, on n'a pas besoin. On tente de voir qu'il y avait ce dont on avait besoin à la bourse. C'est une source très fiable. Livraison effectuée. Ce que je tiens à voir ici, c'est un certain niveau de confort, pour les dinosaures comme pour les visiteurs. L'un ne va pas sans l'autre, vous savez. Ça me paraît logique. Ces installations sont plus simples à gérer quand il y a moins de tension. Oui, et plus les dinosaures se sentiront à l'aise, moins j'aurai de coups de fil à passer. Tout le monde y gagne. Oui, il faut de l'eau, certes. Ben, l'eau, ils l'ont là-bas, hein, pour qu'on soit. Et il leur faut de la viande parce que c'est des ovipares, hein, mesdames et messieurs. Livraison terminée. Cible à destination. Alors, est-ce que c'est bon? La cible a bien été transportée. Qu'est-ce que c'est que ça? Transport terminé. What the fuck? Ah, maintenant il manque de la forêt. Hop, la forêt, tu vas la chercher là-bas. C'est bon? Livraison terminée. Ça a l'air bon. Ok. Là, on est bon. Qu'est-ce qu'on peut faire comme installation? Attends. Extraction. Attraction, galerie, panne. Oh, des lagons. Attraction, visiteur. Voilà, là, on est vraiment dans le jeu, quoi. Ok. Alors, assure-toi que tous les dinosaures aient un confort de 90. Pourquoi ils sont pas à 90? Ah, pardon. Excusez-moi, mes petits, je vous ai oublié. si je les oublie, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. Voilà. Voilà. Maintiens un niveau de confort des visiteurs constants à 90. Les conforts.
Oui. Ah, ça veut dire des trucs comme ça, quoi. Ah putain, ouais, c'est vraiment dans les trucs là. Du verre. Oh putain, je sens ça. Ouais, bénéfice, moins de trucs. Vide. Hein. On va faire comme ça. Ah voilà. Tes visiteurs se plaignent d'un manque d'installation. Vérifie l'écran de notre parc et assure-toi qu'il a accès insuffisant. Ah, toilette, accès des abris, note d'hébergement. Ok, d'accord. Ok, ben on se calme. Ah, mais oui, mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr, mais attends. C'est... Prenez connaissance de ce nouvel objectif et dites-moi que vous vous en chargez. Effectuer un achat en bourse, augmente le nombre de victoires au combat de Nidar, non. Empêche. Augmente le nombre de victoires. Bah non, pas de maladie à la rigueur. Hop. Pas de maladie. Et c'est là, il me dit, ah ben vous avez été malade. Ah ben super. Alors, alors attends, une minute, parce que là je suis un peu perdu. Qu'est-ce que j'ai là? Paléomédical, générateur de secours, centre de réaction. Ok, et ça c'est le terminal d'arrivée. Ok, on est bon. Du coup, il me faut. Qu'est-ce qu'il me faut là? On va mettre un petit abri aussi, hop. Allez, fais-moi les petites recherches là quand même. Ce serait cool. Et ça, c'est quoi là, tout ça là? On va mettre ça. Ça me stresse. Ah oui, là, c'est... Attends. Je sais pas, mais... Ok, donc là on est bon. Voilà, on va mettre des toilettes là. Des toilettes. Merde. Et des toilettes là. Ah, c'est bon, ça monte. Hôtel. Si l'hôtel, on peut se le foutre quelque part. Alors. Mais c'est quoi toutes ces merdes là qui te gênent là, sérieux? Ouais, on peut pas. Bah attends, la route elle fait quoi là? Clairement, elle est nulle la route. Voilà, on va mettre l'hôtel là. Hop. Voilà. Ça, c'est ça qu'on veut voir. Après, des abris d'urgence, donc je pense un petit abri là, et on est bon, je crois. C'est pas grave, ça. Donc là, on est sous forme de théorie, comme le théorie de Kao, mais pas exactement.
Alors, on va mettre les petits trucs quand même. Hop. Voilà. Alors, je viens de recevoir un message intéressant de la part de mes contacts. Moi aussi. L'agence nous a à l'œil. Elle veut savoir si nous nous en sortons avec ces dinosaures. Il semblerait qu'elle soit également prête à nous donner quelques infos. À condition qu'on soit digne de confiance, pas vrai? La confiance, ça marche dans les deux sens. Espérons qu'elle soit aussi de cet avis. Et si vous parlez de confiance, je suis votre homme. C'est là le socle du capitalisme. Regardez, si vous m'achetez quelque chose, c'est que vous croyez en sa valeur. Et même si, par exemple, votre achat a un problème et qu'il se casse en deux, eh bien, vous bénéficiez de la garantie Cabot Finch. Ce qui veut dire ? Que vous gardez les deux moitiés. Ouais, cette mission va être très longue, je sens. Carpe diem, cueillir dès aujourd'hui, c'est ma devise. Vous devriez faire de même. Cet objectif, par exemple, n'attend plus que vous. Un coup de pouce dans le parc. Eh ben, écoute, celui-là. Hein. À quand t'as l'attrait global de ton parc. Ouais, ben ouais, ben oui. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher? Des fois, je te jure, je suis un peu perdu là. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Il nous faut des carnivores. Au pire, ça, hein. La cible a été récupérée. Ah oui, mais d'accord, ok, ça le fait pop direct. Oh là, comme toi, garçon. Hop. J'ai l'impression que la map est pas. Oh, sérieux là. Pire. Voilà. Est arrivé à Beauport. Oh, menace, menace. Tout de suite, elle est grand. Hein. Alors, il te faut de l'eau. Voilà, de l'eau ici. Et il te faut de la fibre. Voilà, de la fibre, garçon. La fibre. Là, tout autour, et là, on va te mettre de la forêt. Voilà, ici de la forêt. Tout ça. Là, un peu que tu détectes, et voilà. On va mettre des. C'est quoi ça? Impossible de construire. Tu vois? Une attraction à configurer. Ah, après, il faut faire les recherches, malheureusement. Donc, voilà. C'est les recherches qu'il faut faire. Ah, ça, je pense que ça va être très très long. Ça va être très très long, moi je pense. Et ça, c'est quoi ça? Ah, c'est les recherches et tout, ok, d'accord. Et en plus, il faut faire à 2 étoiles le truc, hein. Ça va être chaud.
Livrer au cargo. Note de vendeur. Nodosaur, Saturnus. En sorte, on pourrait prendre des trucs là. Mais 2 millions, non, mais je paye pas 2 millions. Moi. Ah, des œufs. Génome. Rocky. Demande. Trois dinosaures. Oula, c'est un peu compliqué. Hein. Honnêtement, cette campagne, je vais pas vous mentir, mais ça a l'air un peu plus compliqué que j'y pensais. Hein. Ouais, ça va être plus que j'ai dire que je pense. Alors attends, j'avais quoi là? On va rajouter juste un truc, un petit commerce. Un petit commerce. Si c'est possible ici. Oh mais ça, mais enlève-le-moi. Non, on peut pas. Là. Confirmer. Merde. Autre shopping. Alors, figurine, tenue. Figurine. Enfin, des chapeaux, parce qu'il fait chaud. Hein. Ils sont comme ça les toilettes. What the fuck? Ils sont bizarres les toilettes. Ils sont cassés et tout. Voilà, bah ça on peut enlever clairement. Voilà, les trucs comme ça, franchement, à quoi ça sert? Ça prend plus de la place qu'autre chose. Voilà. Du coup. Ah ben voilà. On peut agrandir. Ah, ok. Ok. On a juste. Ah putain, on a pas beaucoup, on a que ça. Ah bah c'est vraiment pas beaucoup. Hein. C'est vraiment petit. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Du coup, fais passer la note de ton parc. Et voilà. Et je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire, honnêtement. Alors. 40 de confiance, c'est marché par elle. Ah ouais, non mais. Il faut v'là des trucs en fait. Ouais bah écoute, on va améliorer hein. On va améliorer les commerces. Hein. Ouais, ça va être très 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 chaud. Ça va être très chaud, moi je vous le dis. On va essayer de mettre un autre hôtel à la rigueur. Genre là, un hôtel ne rentre pas là. Putain, c'est typique des jeux ça. Ok, du coup maintenant on a les commerces moyens. Alors si on peut vraiment
coller là à la route. Genre là, et tu mets ça. Des hamburgers pas chers. Ouais, mais bon, même on peut même le revendre parce que ça va nous faire gaspiller la thune. Qu'est-ce qui se passe ça? Quelque temps. Des dinosaures malades ont besoin de soins immédiats. Occupez-vous-en. Eh ben, on n'a pas eu le truc. Le bonus de 80 000. Tant pis. Oh, oh là, la variole. Oh putain. La variole. 0,5, administrer un médicament à un dinosaure, ok, 50 confiance aux autorités. Ouais, mais non, en fait, tu peux pas me les laisser crever, en fait. Putain, ça... je pense que cette mission va être trop chaud. Hein. Moi, je vous le dis, ça va être très chaud. Hein. Et comment on a commenté la confiance, en fait? Comment on augmente la confiance? Qu'est-ce que je peux faire de plus? En fait, c'est ce qu'ils m'ont fait là. C'est mourir. C'est, je peux pas les soigner en fait. Je. Bah oui, accéder, mais bon, je peux pas accéder. Ah, si, enfin. Allez, go. Ils sont tous infectés sauf lui pour l'instant. Il va aller les soigner. Voilà. Super cool. Par contre, ouais, je sais pas, mais ça va être long. Parce que, franchement, je vois pas qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Hein. Parce que là, y a rien, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai rien, moi. J'ai l'impression que c'est vraiment compliqué, franchement, c'est... Ah, ressources humaines, j'ai les ressources ou pas, je sais pas. J'ai pas mis les ressources humaines. On va le mettre là. C'est bien parce que les ressources humaines, ça passe comme tu veux les mettre, quoi. Voilà, ouais, mais bon, comment tu veux que je fasse, moi? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, sérieux, les potes? Je peux rien faire de plus, quoi. On va rechercher ça. Écoute.
Ah mais franchement, je sais pas comment on peut faire, hein. Franchement, je vois pas. Hein. Là voilà, je pense qu'il faut bien stabiliser les trucs. Voilà. Faut bien stabiliser les comment ça s'appelle les trucs. Ouais, il faut bien les stabiliser quand on gagne un niveau de bénéfice, mais bon, si tu gagnes même pas un, je sais pas combien. Attends, la route là me stresse. Hop, voilà. Par contre, niveau confiance, comment on peut augmenter la confiance? Sinon, tant pis, hein, j'achète pour 2 millions des 10 lots. Hein. Tant pis. Hein. Allez, vas-y, hop, achète-les. Parce que sinon, il n'y aura jamais de dino dans le truc. Hein. Opération de transport terminée. Il n'y aura jamais des dinos dans le parc. Hein. Et je crois même que c'est trop petit pour eux. Transport terminé. Transport en cours. Livraison effectuée. Livraison confirmée. Peut-être qu'il faudrait agrandir, à voir. Il faudrait même agrandir, tu vois. Celle-là, tu vois, ça leur plaît vraiment pas. La cible a bien été transportée. Cible arrivée à destination. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Ouais, bon, la menace, c'est rien. On a gagné 400 000. Manquez d'eau, mais what the fuck, vous avez de l'eau là, non? C'est pas de l'eau ça? Ah non, pardon, c'est une pâte au genre, hein, excuse. Voilà. Tâcher les gros dinos là comme ça et ah, pli infecté. Tiens, à chaque fois on a des trucs, c'est un peu chiant quoi. Fais voir à quoi il ressemble. C'est le Dilo 2022 apparemment. Attendez, je vais t'aider. Et même, je vais aller le faire. Alors, moi, je vais vous dire le DLC Malte. Il est bien, il a l'air bien, mais il a l'air un peu compliqué quand même. Je pensais que c'était genre comme les autres, BFW, DFW et l'autre, l'autre. Mais finalement, c'est encore plus pire, quoi. Là, c'est vraiment limite, tu fais un parc et tout. Enfin, voilà, quoi. C'est un peu embêtant quoi, je trouve, hein. C'est mon avis, je trouve c'est un peu chaud quoi. Voilà, on va rajouter une croix de plus ça. Voilà,
Ça a l'air... Ah, les bénéfices, c'est bon. Du coup, on est presque à 2 et on augmente la confiance d'une très fraction autorité. On est à 29 sur 30. Du coup, on essaye de faire ça. Je sais pas comment on fait, mais on va le faire. Il y a une galerie ici. Attends, mais ici, on rajoute une galerie de plus, en fait. Ce serait mieux, non? Par contre, ce qui est chiant, c'est ça qui va pomper. Mais bon, c'est... Ok, on a 2 étoiles. Attends, ici, est-ce qu'on peut mettre une autre galerie? On peut pas? Pourquoi on peut pas? Ah, mais parce qu'il gêne l'autre, là. Mais pose-toi, bordel! Ah, tu vas pas te pousser. Sors, petit vermisseau. Oh, mais t'es beau, toi, dis donc. Oh, t'as une belle couleur. J'adore. Allez, casse-toi maintenant. Allez, tire-toi. Voilà. Ah. Eh ouais, le truc du parc qui baisse, malheureusement. En fait, il faut. Ouais, je pense qu'il faut pas prendre le risque. Il faut prendre le risque de d'acheter, en fait. Il faut prendre le risque, même si après vous avez plus rien, il faut prendre le risque. Ah, on peut avoir des kentrosaures. Où ça là, les listros, ça a l'air pas mal ça. Vas-y, on va prendre ça. Ah, par contre, bah, on peut les mettre là. Ah bah le truc. Cible en transit. Voilà. Ok, la confiance en est bonne. Mais lui, est-ce qu'il va les vouloir? Vous avez fait un travail remarquable pour gagner la confiance des autorités. Merci. Si vous voulez mon avis, vous avez amplement mérité leur respect. Je pense qu'il doit les aimer. Je sais pas. Bah, s'ils aiment pas, tant pis. Qu'est-ce que c'est cette bestiole? What the fuck? On dirait un bulldog. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? La tête du truc, mon gars. Feuille. Est-ce que ça c'est bon, ils cohabitent bien ensemble ou pas du tout en fait? Et il m'a pas fait le contrôle de routine ou c'est comment là? Attends, on va mettre le poste de contrôleur de routine. Voilà. Comme ça au moins on est bon. Hop. Voilà. Manque de marécage. Oui, tu m'étonnes avec ta grosse tête, c'est sûr que t'en manques. Je sais pas, on va mettre un peu ici. Voilà. J'entends un truc là. Y a pas un orage là qui arrive? Oui, bien sûr. Alors, l'abri. Comment ça s'appelle? Lithrosaurus. Oh là là là. Oh là là. Waouh. Un truc qui fait une toupie, mon gars, c'est incroyable. Et en plus, il y a des tempêtes et tout.
Ah mais putain, mais qui c'est? Poussez-vous. Est-ce qu'on est bon? On est sécure? On est sécure, ok. Ok. C'est bon. Ok. On était à là, donc là ils s'entendent bien. Bon, ça va, ils se satisfaient. Franchement, cohabitation, ça va, il est bien, il est parfait. Ok. Ok, les îlots, ça va, les petits îlots. Oh, la chèvre est morte. Bon, du coup, le problème, c'est qu'en bénéfice, maintenant, je suis redescendu. Ça, c'est chiant, parce qu'à chaque fois, on va redescendre, remonter, redescendre, remonter. On va pas être stable et ça va être relou. Bon. Bah on peut acheter ça. Regarde. On le met là avec eux. Si je vois bien, c'est là. Et c'est là. On vient de me transmettre les coordonnées d'une. Alléluia. À mon avis, ça vaut le détour. C'est assez loin de tout, sans être totalement caché. Ces projets de conservation paléontologique sont top secret depuis le début. On ne nous dit jamais ce qu'il faut savoir. Eh bien, en tout cas. Ils sont pleins de surprises. C'est bien ce qui m'effraie. Ça et les vélociraptors. Et les T-Rex aussi. Et les Carnotaurus. Enfin, bref, tout ce qui a des dents, des griffes et des écailles. Du coup, c'est fini là? Ou pas du tout? Ah, ok, bon, bah, du coup, on change d'île, les potes. Enfin, de. Ouais, de île, on change. Heureux les gars, on se retrouve en France à Santa Maria. Let's go, c'est parti. Bienvenue à Santa Maria. C'est parfait, vous ne trouvez pas? En Corse. En plus, il est plutôt bien abrité. Avec leurs barrières naturelles, les îles méditerranéennes sont plutôt bien isolées. Ça devrait nous aider à retenir les dinosaures sur place et à éloigner le reste. Écoutez, je sais que les reptiles aquatiques ne sont pas toujours faciles à confiner. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Est-ce que vous voyez ce plan d'eau là-bas? C'est l'endroit idéal pour nous. Enfin, pour nos reptiles. Je vous laisse vous en occuper. Je suis sûr que le docteur Doua est impatient de voir ça. Ok, ça a l'air un peu chaud, mais voilà. On va devoir continuer de se procurer des animaux. Et pour l'instant... La bourse reste notre meilleure option. Alors, ok, d'accord, on a dit... Bon, les pauvres, mes feuilles. Tenez, mes deux feuilles. Ok, alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Achète la référence des noms mise en évidence à la bourse Moros Intrepus. Oui, j'ai sorti un mot là... Alors ça doit être ça. Et on va les acheter. C'est là. Et c'est eux. Cible en transit. Pourquoi ça ressemble ça? Bien. Nos nouveaux spécimens sont arrivés. Enfermez-les, faites-en tout un stock. Attendez. Vous plaisantez, j'espère. Je crois que Cabot essayait de dire qu'il nous faut des enclos et des environnements convenables. Vous voyez, le doc a tout compris. Monsieur Lambert, vous pouvez les aider? Je suis prêt à intervenir. Dites-moi seulement ce que je dois faire. Opération de transport terminée. Livraison confirmée. Tant qu'à s'occuper des dinosaures, on aimerait bien que d'autres gens les voient. Ah, c'est une ça. Une visite guidée ferait parfaitement l'affaire. Kayla, vous vous y connaissez en excursion, pas vrai? Écoutez, moi, je vous les amène. Le tourisme,
C'est pas mon affaire. Chacun doit y trouver son compte. Certes, nous en venons à exploiter ces bêtes. Mais c'est ce qui nous permet de lever des fonds pour la recherche. Et elles en profiteront aussi. C'est une façon de voir les choses. Et les dinosaures ont tout à gagner à être connus du grand public. Essayons donc d'améliorer leur visibilité. Ce sera déjà un bon début. Ah mais c'est petit comme ça. D'accord. Non mais je pensais pas du tout en fait. Moi je croyais que c'était gros, géant, prêt à te bouffer. Mais non, c'est petit. Bon, on va dresser l'enclos alors. Hein. Est-ce que c'est bon l'électricité? Ah non, c'est pas bon. Bon c'est... On va mettre un truc à faire. Construit un bâtiment, visite un véhicule, un service. Et pourquoi je peux pas en fait? Non, bon. Ah, tu vas me dire, j'ai pas de scientifique? Ah, il faut des scientifiques. Non, mais lol, mais je vais péter un câble. Sérieux. C'est une blague. Oh, toi, t'es bon, toi. Toi, je te prends. Et toi, hop. Non, mais la blague, quoi. Il faut des trucs, quand même. Mais sérieux, quoi. Attends, ben, 3. Ben voilà, let's go. Assure-toi que suffisant de dinosaures soit visible depuis le bâtiment suivant. D'accord. Mais attends, l'enclos est... Attends, je m'occupe d'eux et après... Alors, du sable, oui. Attends, déjà je vais te mettre de la viande parce que t'as sûrement la dalle. Voilà. De la viande et du sable. Voilà. Voilà. L'eau, je m'excuse, mais je vais t'effacer. Voilà. T'as pas besoin de beaucoup d'eau, hein, en soit. Oh, désolé, c'est un peu de l'eau salée. Ben, je crois que c'était à vous. Hop. Voilà. Manque de viande. T'en veux plus? Mais t'es un gourmand, toi. Voilà. C'est bon? Ça a l'air moche en tout cas. Ouais, mais du coup, je voudrais restreindre en fait le truc en fait. Attends. S'il y a un hélico qui peut. Oh bah putain. Je vais couper en deux parce que ça sert à rien quoi. Voilà, on va couper parce que ça sert à rien, c'est vraiment à gaspiller du terrain parce que voilà quoi. Du coup la visite, oui. La visite. Alors, comment on peut faire la visite? À partir de là, on a fait la visite. Bon, mais tant pis. Voilà. Et attends, je vais faire la piste après. Juste eux les transférer. On est en chemin pour récupérer la cible.
Tain, mais je pensais, en fait, je pensais pas du tout que c'était petit comme ça. C'est fou. Hein. Récupération bien reçue. La cible est en cours de transport. Alors, cible arrivée à destination. Ah. Ah. Ah oui. Ah oui, d'accord. La cible est arrivée à bon port. Mm-hmm. Mais faut faire juste visiter en fait. Attends, je me suis cassé les fesses à faire des. Je croyais que c'était des gros dinos et pas du tout. D'accord. Ben voilà. Du coup j'ai... C'est bon. Oh! Attends, il est où? Arrête! Oh, il est pas mal. Du coup voilà. On va mettre des petits postes vite fait, manière. Hop. Voilà, un petit poste là. Et un petit poste là. Ah non mais franchement ici je suis blasé, je pensais que c'était des gros trucs mais pas du tout quoi. Attends, là je vais mettre bon, juste le truc qui se fait, je vais mettre des réactions ici parce que voilà. Centre de réaction, voilà. Ah non mais je pensais pas du tout à ça quoi, c'est ça le pire. La vie est apparue dans l'eau. Il serait logique que nous nous procurions quelques reptiles marins. On devrait pouvoir trouver ce qu'il nous faut à la bourse. Oui, ils en ont. J'ai aussi vu de gigantesques aquariums dans leur sous-sol. J'ai l'impression qu'ils ont à peu près tout. Parfait. Alors, au boulot. Ouais, mais ils vont pas se barrer, là, les trucs? Faut pas fermer? Parce que moi j'ai pas envie qu'ils se... Voilà, hein, qu'ils se taillent les animaux. De toute manière on va pas, on n'a pas le choix donc. Non mais attends, avant je veux faire la centrale là. Si c'est possible. J'étais en cours de la faire et j'ai pas fait du coup. On va la faire. Alors, il faut aller à la bourse chercher les... Quoi les... J'ai pas compris. Les Yotruchio... Je sais pas quoi là. Alors, voilà, il faut aller chercher ça. Eh ben, let's go. Hein. Genre là, comme ça. Transit en cours. Ah oui, le truc, il va se noyer, là. On s'est vraiment jeté à l'eau avec ces dinosaures marins, pas vrai? Ces dinosaures sont des reptiles. Ça ne me donne pas plus envie de nager avec. C'est pas faux. Notre objectif est de les mettre à l'aise. Et de les empêcher de fuir. Au moins, ces animaux ne risquent pas de nous courir après, pas vrai? Restez au sec, et tout se passera bien. J'ai déjà entendu ce mensonge. Alors, les potes, je pense qu'on est bientôt à deux trucs. On va essayer de rajouter un petit total ici, manière. Avant, on va faire venir le courant. Voilà. On va essayer de faire le courant environ ici, là. Voilà. Et on va mettre un petit hôtel.
Abri d'urgence, un hôtel, voilà. Voilà. Hop là. On va voir qu'est-ce qu'on peut aller améliorer. Oh, le petit toilette qui passe pas là. Ah, là il passerait. Sans électricité, ça c'est rien. Je mets un petit pylône. Ah oui, d'accord. Voilà. Est-ce qu'il faut des toilettes quelque part? Oh, il manque des chiottes ici. Hop, voilà. Et enfin validé. Un dinosaure en liberté sur l'île. Restez au sec et tout se passera bien. C'est bien ce que vous aviez dit, docteur. Ah, mais là, des chiottes. On peut toujours compter sur eux pour nous prendre de court. Nous pouvons reprendre le contrôle de la situation. Nous sommes parés à tout. Ok. Super. Pas de panique alors, hein? Même si je ne vous cacherai pas que j'aimerais mieux être planqué dans mon bunker à l'heure qu'il est, hein. Ok. Utilise la navigation pour aller te rendre sur la Saint Albertus. Ah bah du coup les portes on se retrouve sur Saint Albertus. C'est parti. Vous voulez connaître mon identité? Non. Pour le moment, je n'ai pas l'intention de vous répondre. Montrez-vous digne de confiance. Et ça pourrait peut-être changer. Tout ce que vous devez savoir, c'est que je peux vous présenter des fournisseurs que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Et je peux vous assurer que les spécimens vendus sur le marché parallèle sont bien au-dessus du lot. Mes contacts vous montreront des facettes de la bourse très différentes de ce que vous connaissez. Oh, tu vas me faire les meilleures occasions se cachent souvent derrière de nouvelles portes. Mais on était déjà allé sur cette île. Il semblerait que vous ayez d'autres priorités. Je vous recontacterai si vous parvenez à vous tirer de ce mauvais pas. Qu'est-ce que tu fais là? Nous devons maîtriser ce dinosaure, et vite! Imaginez ce qu'il doit être en train de faire subir aux gens du parc. Je ne préfère pas. Faites quelque chose, Clément. C'est bien pour ça que vous êtes là. Moi qui croyais que vous m'aimiez bien. Comme tout le monde, mais je vous aimerais encore plus si vous pouviez calmer cet animal, hein? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Dois-je comprendre que vous avez l'intention de vendre cet animal à la bourse? C'est l'idée, oui. Ça nous permettra de nous en débarrasser en douce. Alors, et de nous faire un peu d'argent en passant. Je suis certain que Cabot ne crachera pas dessus. En route pour récupérer l'objectif. Comment ça? Ok, je pense qu'il fallait faire comme ça. Allez, bye le carnot. Zo. Bizarre. Donc si à chaque fois qu'on doit revenir sur les îles qu'on a fait, ça va être un peu chiant. Allez, au revoir. Et jette-le dans l'eau aussi. Hein. Donc ok. Bon, je pense qu'on est bon. Ok, on est bon. Réalité, la demande de vente mise en évidence à la bourse Carnotaurus. Alors, comment on fait ça? Alors... Cargo, hop, confirmé. Ah, mais il faut le refaire venir. Et la demande de vente, puis ça en évidence à la bourse. Quoi?
pas compris, attends, j'ai pas compris là. Demande. Faut l'envoyer à lui? Comme ça? Donc, achète la... Ah, bah oui, c'était ça, pardon. Je sais pas pourquoi, mais ces reptiles volants me rendent un peu nerveuse. Ils dominaient le ciel bien avant vous, Kayla. Je pensais que vous apprécieriez le challenge. Mm-mm. Qu'ils restent de leur côté, et j'en ferai de même. À moins que vous n'ayez envie de m'accompagner. Ça vous dirait d'être mon copilote, Finch? Non. Je vais garder les pieds là où ils sont, hein, sur mon bureau. Alors, dimorphodon. Ah, d'accord, non, c'est... Ok, d'accord. Que j'ai entendu, ok. D'accord. Et on peut pas débloquer ça. On peut pas Ah, mais on peut les mettre là, bien évidemment. Oh là là, je suis con des fois. Alors, par contre, il faut faire la truc. Alors, un coup là. En attendant, on va faire la centrale électrique, je pense. On va mettre la centrale du moins. Ensuite, on va chercher les dimorphodons. Voilà. Ah, bon, il y a pathologie, il faut... Bien sûr. Les reptiles volants n'ont pas l'air mal à l'aise. Super. Assurons-nous de leur offrir un bon niveau de confort. Après ça, on pourra envisager de les présenter au grand public. Livraison effectuée. J'ai une idée. Je sais, mais attendez. Que diriez-vous d'intégrer les reptiles volants à une nouvelle visite guidée? Regardez, j'ai même trouvé notre argument de vente. Venez voir nos reptiles préhistoriques prendre leur envol. Et moyennant finance, bien sûr. Je n'en attendais pas moins. Ce sera pas facile, mais ça pourrait valoir le coup. Ces animaux ont besoin d'espace pour se dégourdir les ailes. Dans un endroit sûr et contrôlé. Je n'en attendais pas moins. Voilà, et on va mettre du poisson. On va mettre 2, 3, 1, 2, 3. Livraison confirmée. Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce que je dois faire? Les endormir? Ah mais, non, clé infectée, bah on peut les soigner. Voilà. On va leur mettre un peu de décoration en dessous. Voilà, on va mettre ça. Construire un bâtiment de visite et assure-toi que... Ah, bah maintenant, il faut ça. Alors, visite. Alors, attends.
Oui, bah attends, je suis en train de faire la piste. Voilà. Je savais pas qu'on pouvait faire des bails comme ça. Voilà. T'as quoi, mon petit agneau? Elle cassée. Oh, pauvre bébé. Oh, t'as l'aile cassée. Je sais pas si on peut le soigner en vrai. Vous savez qui je suis. Bien sûr, Soyona Santos. Vous êtes une légende sur le marché parallèle. Ah oui? Quoi? Vous ne le saviez pas? Si, bien sûr. Et j'ai travaillé dur pour décrocher ce titre. Sur des affaires douteuses. Dont je ne doute jamais. Je m'investis dans ce en quoi je crois. Dans mon cas, cela implique de vivre et d'opérer dans l'ombre, entre chien et loup. Tant que ça ne vous empêche pas de dormir, que voulez-vous, Soyona? Nous pouvons nous entraider, sans oublier les dinosaures, mais vous devez me convaincre de votre loyauté. Comment? Et pourquoi faire, au juste? Non, 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 ne discutez pas, engagez-vous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'île vierge qu'on me souffle à l'oreille? Le marché parallèle ne livre jamais ses secrets. J'en déduis que vous vous êtes trouvé une nouvelle amie. Une amie? Ah non, 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 non. Non, une associée, à la rigueur. Le terme serait plus correct, plus juste. Elle ne s'appellerait pas Soyona Santos, à tout hasard? Là, 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 je ne vous entends pas, Kayla. Bon, d'accord, peut-être. Je le savais. Elle ne laisserait jamais filer une occasion pareille. Tâche confirmée. On va essayer de le soigner, parce que je ne sais pas s'il faut faire ça. Donc, on monte à le niveau de confiance de la faction suivante, marché par elle. Ok, comment on peut faire ça? Alors, on va voir comment on peut faire. Marcher par elle. D'accord, donc il faut prendre des dinos. Voilà. Ok, bah, au pire, tu peux me les livrer sur le cargo, s'il te plaît. Merci. Livrez-les-moi. Après, on pourrait prendre ça aussi. On va essayer de le mettre là. Objectif atteint, cible livrée. Ah! C'était juste à ça. Bah attends, je vais me le faire pop quand même. Oh, Transport en cours. Ah, par contre, c'est des petits dinos. J'avais oublié. Hop. La cible est arrivée à bon port. Voilà, c'est des petits dinos. Quand même. Voilà. Une petite galerie. La petite galerie, on va la mettre là. Qu'est-ce qui se passe? Extraire avec soin. Extraire avec soin et faire un don en visée. Allez, hop. Hop. Voilà. Et du coup, tu peux me les livrer, s'il te plaît. Franchement, je commence à me réhabituer. Franchement, je commence à m'habituer. Voilà. Transit en cours. Franchement, je commence à poser mes marques, on va dire. La cible a bien été transportée. La cible a été récupérée. Voilà.
transport en cours. T'es en train de bien poser mes marques. Ça, c'est assez cool. Transport terminé. Allez, hop, on va mettre ce qu'il a besoin. On va mettre. Cible à destination. Livraison confirmée. Hop, voilà. Il faut que tu, ouais, tu bouges pour voir l'eau. Hop, la petite viande ici. Et voilà. Mettre un peu de végétation ici, si tu veux. Voilà. On va voir si on peut te mettre des petits arbres quand même en décoration. Voilà, hop. Voilà, hop. On va mettre des petits caillasses. Voilà. Voilà, c'est plus appétissant. Et du coup, les potes, on se trouve sur l'île Sainte-Égide. C'est l'endroit idéal, loin des regards indiscrets, et en particulier de ceux de vos amis de la CIA. Mes amis? Mais je n'ai pas d'amis. Oui, je peux en témoigner. Oui. Bon, elle n'a pas vraiment tort, mais tout de même, oui. Bon, mettons de côté nos états d'âme, ok? Que comptez-vous faire de cet endroit, Finch? Eh bien, pour commencer, mon équipe et moi allons devoir remettre toutes ces installations en marche. Je crois que nous aurons ensuite intérêt à faire un petit tour à la bourse. Vous tiendrez vos engagements, Monsieur Finch. Si nous devons passer un accord, nous devons bien sûr tous les deux y trouver notre compte. Sinon... Sinon quoi? Nous aurons un problème et les dinosaures seront le dernier de vos soucis. Allez, les gens, on est sur l'île de Sainte-Égide. C'est bien tout ce que je vous avais promis? Vous ne m'aviez rien promis. Dans ce cas, j'ai tenu ma parole, Monsieur Finch. J'espère que vous en ferez de même. Donc on va réparer tout. Moi, décevoir mes partenaires? Je n'ai jamais eu ce genre de problème. J'espère que vos capacités sont plus crédibles que vos mensonges. Par contre, les véhicules sont un peu durs à maniable. Je crois. D'ailleurs, je m'apprêtais à approuver quelques projets de reconstruction. Je crains de ne pas avoir plus de temps à vous accorder. Oh, comme c'est dommage. Ok, on est bon. Ok. Alors, faut aller à la bourse pour des... Au vu de vos dernières activités, des vendeurs de la bourse se disent désormais prêts à traiter avec vous. Notamment ceux qui ont des œufs de dinosaures à proposer. Et j'imagine que ce ne sera pas gratuit. Tout a un prix, Finch. Vous le savez mieux que personne, non? Je ne suis pas né de la dernière pluie. Alors, on va prendre elle. Est-ce que quelqu'un pourrait me faire un rapport? Dodson? Biocine est impliqué là-dedans. Biocine est un peu touche-à-tout. Vous croyez vraiment que des trafiquants de seconde zone pourraient monter une telle affaire tout seul? J'ai observé la situation, bien sûr. Biocine sait bien que les recherches les plus efficaces ne sont pas qu'une question de science. Elles relèvent aussi de l'information, de l'art, des disciplines très onéreuses, et j'ai justement la chance d'avoir beaucoup d'argent. Ça risque d'être délicat. Pour qui? Pour vous? Soyona Santos me fait pleinement confiance. Je l'ai payé pour ça. Mais pour ce qui est de notre coopération, sachez que tout ce qui nous intéresse
moi et Biocine, c'est ce que vous savez. Rien de plus. Eh bien, à vrai dire, je ne suis pas censé être au courant pour l'île. Alors, ce n'est pas si simple. Dans ce cas, permettez-moi d'être plus clair. Nous devons incuber les œufs que nous avons acquis et les faire circuler. Circuler dans des enclos, si je vous comprends bien. Cabot, ce n'est pas compliqué. Bon, alors, du coup, les œufs sont en train d'éclore. Du coup, on les transfère. Voilà. C'est le miracle de la vie. N'est-ce pas le but de toute cette entreprise ? De ce que nous faisons avec les dinosaures. Pour vous aussi. Pour moi, ces animaux restent ça doit être bon. Des marchandises. Vous m'envoyez navré. Pour vous. Soyona, ces dinosaures sont des merveilles de la nature. Ouais. Que je vous ai donné. On va aller à la bourse. Oui, en effet. Mais je voudrais vous demander autre chose. Des génomes. Aucun problème. La bourse peut vous offrir tout ce que vous cherchez. Donc, ok. C'est essentiel à mes recherches. Trois étapes nous séparent d'un génome inédit. La synthèse, l'incubation et la réintroduction. Nous pouvons faire en quelques heures ce que la nature a mis des millions d'années à accomplir. Une nouvelle évolution avec Biocine. Ok. Transférer les dinos. Ah, bien-être n'est pas bon. Alors... Ah oui, en effet, n'est pas bon. 3, ouais, 3. Le pire, c'est eux, là, qui coûtent cher, hein. C'est... Il faut faire attention au niveau scientifique, parce que c'est eux qui te mettent aussi dans la merde. Ah, 40 en... Attends, 40, quoi? J'ai pas vu. En confiance, ok. Alors, infecté scientifique, 3, hop, voilà, on va les mettre ici, ça se rentrerait, oui, ça serait bon. Bon, du coup, on attend. Je craignais que cela arrive. La confiance, c'est le ciment de notre opération. Nous ne pouvons pas nous permettre de la perdre. Il est encore temps de changer. Et 1 million quand même pour faire ces trucs-là. Atrociraptor. 1 million quand même. Étudiez ce prochain objectif. Vous devriez pouvoir vous en occuper. Ouais, ça va, regarde. Mais là on incube pas, on est bien d'accord. Bah si, c'est l'incubation là.
Eh oui, c'est incubation, donc ça va, on l'aura. On l'aura logiquement. Donc on va les spotter ici. On va laisser le générateur parce que voilà. On va attendre, ça va être bientôt. En plus, on baisse niveau bénéfice. Parce que je vois, on n'est pas bon. Je vais juste, hop, pardon, je save. Voilà. Ok. Alors, hop, on peut rien. On l'aura bientôt récupéré. Ah mais je pense que ça marchera pas comme ça. Transport en cours. Transit imminent. Je crois que j'ai fait l'enclos un peu trop petit. Même. Cible arrivée à destination. Kayla, si je comprends bien, vous êtes une experte en matière de transport. Hein? Quelle perspicacité. Ce n'est que l'un de mes nombreux talents. Mm-hmm. Je vois. Comme demander service. Qui, moi? Disons plutôt que je sais discerner les forces de mes employés. De toute manière, il faut le... Tenez, j'aimerais d'ailleurs que vous supervisiez la prochaine phase de nos opérations. Ce qui consiste en quoi, exactement? Nous avons un navire prêt à transporter les dinosaures au sein de l'archipel. Si vous pouviez vous en charger. D'accord, je vais voir ça. La cible est arrivée à Beauport. En fait, tu les fais venir, mais tu les fais partir. C'est complètement débile. Et pas un là. En route pour récupérer l'objectif. Je suis mort, mais bon. Et vous voyez, je suis en train déjà de perdre de la thune, c'est hallucinant. On perd déjà de la thune, c'est hallucinant. Là, si j'achète, ça va pas être la peine. Quoique, vas-y. Il nous faut des trucs. Un million pour la tâche. C'est sérieux, là. Je comprends pas, cette île, elle est n'importe quoi. Tu perds de l'argent. Ah merde, j'en oublie un là. Ah, l'île, on est bientôt. 12 000, on est bon. Peut-être vers là-bas, je vais faire. Vers ici des trucs. Peut-être des toilettes. Tu sais, les toilettes, ça. Ah, il faut des toilettes là. Voilà, les petites toilettes. Kayla vient de... Ah ben, nice. L'embarquement est terminé. Le bateau est prêt à appareiller. Parfait. Jusqu'ici, vous m'avez épaté, Cabot. Mais, rassurez-moi, est-ce que je peux vraiment compter sur vous pour terminer le travail? Nous avons un accord, et mon intention est de le respecter. Bien. Ne vous avisez pas de trahir ma confiance. Ce serait regrettable pour vous. Comment? Je vous demande pardon? Contentez-vous de faire ce que je vous ai demandé, et tout ira bien. Je ne compte pas vous décevoir.
Dans ce cas, nous nous entendrons bien. Mais n'oubliez pas, je ne vous connais pas. Vous savez qui je suis, c'est l'essentiel. Ah. J'imagine que les affaires vont bien. Les gens comprennent très vite que je peux leur procurer ce qu'ils ne trouvent nulle part. De là à dire qu'un petit gras de papier se plaît à recourir au marché parallèle, c'est une toute autre histoire. Ah, bien sûr, l'inimitable Cabot Finch. Je crois que lui et son équipe ont compris à quoi s'en tenir. Moi aussi. J'espère pour eux qu'ils vont gagner toute la confiance de leurs contacts. En l'état actuel des choses, je ne saurais vraiment pas dire de quel côté ils sont. Seul l'avenir le dira. Mais le fait qu'ils soient revenus sur l'île me porte à croire qu'ils n'en ont pas complètement fait le tour. Dans ce cas, je devrais bientôt entendre parler de notre ami commun. Quoi qu'il en soit, vous entendrez parler de moi. Ça, je vous le garantis. Ah, c'est bon d'être de retour, pas vrai? Je ne suis pas très sentimentale. Je vois. Disons que ça m'a rappelé la première fois que nous sommes arrivés sur l'île. Regardez, on en a fait du chemin, hein? Oui, oui, j'ai compris. Écoutez, il faut que j'aille m'occuper des dinosaures qui arrivent. Vous vous souvenez de notre cargo? Il va pas tarder à accoster. Ah oui, 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 bien sûr. On va avoir besoin d'enclos, pas vrai? Alors, ce que je suis en train de faire, l'enclos. Donc, on est de retour pour Saint Albertus. On est en train de faire les... du coup, l'enclos, hein, vu qu'il demande de faire l'enclos. On va mettre un petit truc ici. Voilà. Hop. Voilà. Et on va les prendre... qui sont dans le cargo, les petits pio. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Ces dinosaures ont traversé la mer pour venir jusqu'à nous. Il vaudrait mieux leur trouver un enclos rapidement. On était avec des pylônes ici, moi. Ok, hop. Voilà. On va mettre une petite porte. Voilà. Et ils arrivent. Nickel. Voilà. La forêt, on va la mettre tout autour. Objectif atteint, cible livrée. Voilà. L'eau, on va la mettre ici. La cible a bien été transportée. Voilà. L'eau, on va la mettre là. On va mettre une petite chèvre. Voilà. Alors, fais voir. Manque d'espace, t'es bon. Eau, t'es bon. Proie, t'es bon. Suffit juste de chercher. Hop. Voilà, c'est bon. On est bon. On est bon. Qu'en pensez-vous, Kayla? Vous croyez que nous sommes prêts à épater le public? Ouais, ça avance. Les nouveaux arrivants devraient faire de l'effet. Je n'en doute pas une seconde. C'est exactement ce qu'il nous faut pour décrocher une nouvelle étoile. Et peut-être même la Lune. Attends, tu veux que je fais une note de 4, là? Waouh! Ah oui, d'accord, je m'attendais pas à ça. Alors, juste, est-ce qu'on peut passer la route là? Ouais, on pourra. Et si on débloque là-bas. Ok, d'accord. Les potes, voilà. Bon, je voulais vous faire un petit débrief. Ce que j'ai fait. Bon, je pense que vous n'étiez pas là. J'ai mis Carnot. J'ai mis des Pyroraptors. Thor ici m'ont mangé tout ce qui était ovipore, hein, mais bon, c'est pas grave.
Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait ici. Oui, finalement, je pouvais éteindre ici. Donc voilà, j'ai mis une autre volière avec des maras. Voilà. Là, nous avons des Edmontaurus et des. Attends, c'est quoi ça? Uranosaurus. Et j'ai fait un spinosaure, les potes. Voilà. Donc, je pense qu'on est bientôt aux étoiles. Et regardez, qu'est-ce que j'ai fait? Un T-Rex. Voilà. Et là, il y a des Holoroid Titans qui est en train de pop. Que les Holoroid Titans, je vais sûrement les mettre ici. Donc voilà. M, aucune espèce appréciée. Ah, bon, on est mal barré. Si c'est M, aucune espèce, on est mal passé. Mais bon, c'est pas grave, ils iront ici. Sinon, ils iront ici, je sais pas. On verra. Donc voilà, du coup, là, on a fait le spino pour atteindre les 4 étoiles. J'espère on va les avoir. Et du coup, on va faire l'enclos pour le T-Rex. Voilà. Donc c'est parti. Les deux voisins du palier. Voilà, je pense que c'est assez un bon grand enclos. On va mettre les vues. Mettre une vue là. Attends, c'est le T-Rex, c'est pas. Hein, tu sais, c'est pas de la merde. Voilà. Peut-être que je commence à faire pop une autre centrale. Parce que je sais pas si. Si on est bon. Voilà. Ah, c'est ça l'électricité. Je pense qu'elle doit plus diverser. Ah si, quand même, ça va être diverse. Alors, ah mais c'est bon, il y a électricité. Électricité. Donc on est bon. Donc du coup, on va faire. Alors, on va les transférer. Du coup, je vais essayer de les transférer Commande de ici. récupération bien reçue. Voilà. Ça dégage. Ah, j'ai un dino mort, c'est quoi? Ah oui, c'est vrai, c'est le truc qui commence à mourir. En route pour récupérer l'objectif. Ok. Transport en cours. On va faire le T-Rex. Il y a quelque chose d'ironique à voir un dinosaure que nous avons ramené à la vie mourir. Mais la mort a bel et bien frappé l'un de nos animaux. Dégagez la carcasse de l'enclos avant qu'elle ne propage des maladies. C'est bon, du coup. Je l'ai dégagé. Ok. Du coup, on va sauvegarder. Je vous explique pas depuis quelle heure que je suis. Ben oui, vas-y. Voilà. Alors, bon, pour le problème du T-Rex, je peux pas le faire pop. Alors, déjà, attends. Parce que eux, ils vont me faire un sabotage. J'ai pas vu que j'ai un sabotage par derrière. Alors, attends, j'ai pas vu qu'est-ce qu'il fallait pour le T-Rex, par contre, c'est du soin. Transit en cours. Alors. Ah ouais, mais en soin, j'ai elle qui est bonne. C'est qui qu'on peut former là? On peut former personne là. C'est tous des niveaux de. Ah ouais. Et on a des niveaux 3. On va te prendre toi.
toi, on va te virer. Ouais, c'est pareil. Oh! Oh, ouais. Toi, t'es bien. Alors, fais voir. Est-ce qu'on peut, là, le T-Rex? Dommage, il m'en faudrait un encore. Attends, il y en avait un avec un 7 là. Ah merde, il est en repos, lui. Elle aussi. Niveau 3. Ben toi, à la rigueur, toi tu te pars. On va prendre lui là, elle. Allez, logiquement là, le T-Rex, on peut le faire pop. Alléluia. Alors, par contre, ça va me coûter plus en thune, mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai mon truc qui s'est caché là, je vois plus ma quête. Voilà au total les dinos que j'ai, hein. Voilà. Au total. Je vois plus ma quête, c'est un peu perturbant, mais il faut aller à 4 étoiles et je suis presque à 4 étoiles, mais je suis pas encore. Vous voyez? Voilà. Là, on va essayer de faire un truc là. Je voulais faire une visite de. Une petite vie. Oh putain, comme par hasard, quoi. Attendant que la tempête se calme. Ah, ça, moi, je vous dis, c'est une merde. Le truc de tempête, là, c'est une merde. La tempête, c'est un truc, mais laisse tomber que ça peut détruire tout ton île. Et pensez à rouvrir pour regagner de la thune. Voilà. Et au fur et à mesure, il faut faire les trucs. Là, c'est bon, là, c'est bon. Oh là là, il y a beaucoup de trucs là qui a besoin. Voilà. Ok. Du coup, ça c'est pour le T-Rex. Donc on va lui mettre de l'eau quand même. Merde. Cet objectif est bien trop beau pour le laisser passer. Je pense que vous serez d'accord. Prends tes dinosaures en photo. Ça dépend, ouais. Mais c'est bizarre, mes quêtes, je les vois pas. Ah, voilà. J'avais fermé. Un dino qui boit. Vous voyez là, on a un truc à étoile, je suis à 3 sur 6. On a presque fini. Mon fils, tu buvais. Hop. Voilà. Ça nous fait un peu de l'oseille. Allez là, le T-Rex là. Là, je pense qu'on aura la note à 4. Hein. Franchement. Donc ouais, des fois, pensez à aller dans la bourse et vous rationalisez des fois. Si vous voyez un truc qui vous plaît pas, vous rationalisez. Donc voilà. Bon, mettons là, il n'y a rien qui m'intéresse, paf, actualisez la liste. Et là, vous avez des nouveaux dinos qui apparaissent. Et je trouve que ça, c'est un petit top, vous voyez.
T'as là, on peut faire ça. Hop. Hop. Là, il faut la mettre à la couveuse. Hop. Là, j'ai le T-Rex. Hop. En point aérien, le T-Rex. On aura bientôt récupéré. Et là, on a mis l'autre dino, là, un des nouveaux. On va voir si on peut. Hop. Et on va le faire comme ça au moins ça sera fait. Et le raccord X en attend. Cible à destination. Cible en transit. La cible est arrivée à bon port. En cours de transport. Les feuilles, il n'y a pas. La cible a bien été transportée. Transport en cours. Attends. C'est lié à lui, là, en fait. Voilà. Fibre, lui, il n'en a plus. La cible est en cours de transport. Voilà. Chaque animaux, enfin chaque dino, ils ont pas leur truc qu'il faut quoi. Cible à destination. De l'eau, t'en as. Tu te promènes, t'en as. Ah, qu'est-ce qui se passe encore? La cible est arrivée à bon port. Bien reçu. Ah. T'as Bobo? C'est qui a un bobo là? Non, toi, c'est les seins. J'ai passé toute ma vie à essayer de trouver le bon équilibre entre la liberté et le pouvoir. Vous savez, dans le monde des affaires, il faut savoir tourner les deux à son avantage. Vous êtes vraiment faite pour ce boulot. Merci, c'est gentil. Je n'ai plus qu'à m'habituer à ces changements. Le changement, c'est ce qui est au cœur de ces projets. Jurassic Park, Jurassic World, InGen, Biocine. Le monde que nous avons connu n'existe plus. Il ne nous reste qu'à nous adapter. Ou nous disparaîtrons. Ma version était plus optimiste. Écoutez, nous ne faisons pas ça pour rien. Je veux que nos îles décrochent la meilleure note et que tout le monde soit de notre côté. Nous devons tous nous faire confiance. D'accord ? Et vous croyez vraiment que ça va tout changer? Faites-moi confiance. Parce que j'ai le choix? Non, pas du tout, non. Enfin, Malte, terminé les potes. Oh là là, c'était long, hein. Je vous dis, ce DLC est très long. Voilà. Bah, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé. C'était Kodak et Pectromal.